Donc c'est bon, la VOD est lancée. Donc bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et donc nous nous retrouvons... Oui, donc nous nous retrouvons sur... sur Prison Architect, la version 2.0. Donc je suis en live en même temps, donc enfin je le dis pour la VOD. Donc je suis en live, je tente ce nouveau format. Donc le live est malheureusement en basse qualité. D'ailleurs, je vais couper... Non, je vais laisser le retour, tiens, à côté. Donc, le live est en basse qualité, 480p, j'en suis désolé, je ne peux pas faire mieux, je n'ai pas la fibre, malheureusement. J'ai un très très bon débit, mais pas suffisamment pour mettre ne serait-ce qu'en 720p. Mais cependant, voilà, donc j'ai lancé Fraps à côté, donc j'enregistre sur mon disque dur, comme d'habitude, le jeu. Et donc là on est parti pour 2 heures de live. Pour le moment il n'y a personne sur le live, pourtant j'avais prévenu qu'il y avait live. Bon, bah tant pis, on va faire avec, hein. Donc s'il y a quelqu'un qui arrive, je le saluerai. J'ai le chat à côté. Donc on est parti, donc une nouvelle prison. Et donc on va reprendre la même directrice que j'avais pris pour l'ancienne comment ? Pour l'ancienne prison, pour la prison que j'avais fait pour Prison Architect version 1.0. Donc on va prendre Safara Aknova. Donc l'avantage avec cette directrice là, c'est qu'on récupère de l'argent à chaque fois qu'on découvre un objet de contrebande dans notre prison. Voilà. Donc on va prendre une grande prison. On va pas. Alors le brouillard de guerre, j'hésite. Ça fait RP d'utiliser le brouillard de guerre. Mais en même temps, si nos prisonniers font des conneries, ce serait mieux de le voir à l'écran. Donc bon, je vais me décider en attendant. Conditions d'échec, il n'y en aura pas. Gang, il y en aura. Des événements, non. La météo, alors j'ai vu qu'il y avait ça maintenant, la météo, mais non merci. Et le cheat code, non. Donc... Le brouillard de guerre, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas? Allez, on va pas le mettre. J'en estime le choix. Il y aurait quelqu'un sur le live, je pourrais lui demander son avis, mais malheureusement, il y a encore personne là, donc bon. Et vous l'attendez tous, bien entendu. Une prison de femmes, voilà, voilà. Alors, beaucoup de choses ont évolué dans le jeu. Depuis le début. Donc on va tout de suite commencer on va commencer avec les fonds que l'on a déjà. On va prendre les premières subventions. On va prendre les premières subventions, c'est-à-dire on va prendre. Alors, j'ai rajouté quelques modes. Avant toute chose, j'ai rajouté quelques modes. Premièrement, un mode qui améliore les graphismes. Il n'y a rien qui dénature réellement le jeu. Hein. Mais j'ai également, voilà, des objets, des subventions en plus. Malheureusement, je sais pas pourquoi les textes ont sauté par contre. Hein ? Bon, bah, ce mode-là est en bug. Je sais pas pourquoi. Et vous l'avez vu au niveau de l'horloge, j'ai des accélérations supplémentaires. On va prendre ça et le centre administratif pour le moment. Voilà. Ça me fait déjà 50 pour pouvoir commencer mes fondations. Hop. Donc on commence. On va commencer par un petit couloir. Ceci. Avec une porte de prison ici. Donc attendez, donc que je dise pas de bêtises. En mode, j'ai donc un mode qui améliore l'électricité également dans le jeu, qui permet d'avoir en fait une électricité un peu mieux. Donc voilà. J'ai installé aussi ça. Alors, ensuite. Donc ici il y aura un mur. Et ici on va avoir. Je sais
dis pas de bêtises, on va faire ça comme ceci. Ou est-ce qu'on fait un simple couloir? Ouais, on va faire des simples petits couloirs comme ça. On va vraiment optimiser l'espace. Et là, on va faire une salle de... En ce moment, ça fait un peu beaucoup quand même, non? Allez, donc ça, ce sera notre salle de réception. On va ensuite avoir ici... Tac. Non, pas ici. Excusez-moi. Ici, pareil, on va avoir un couloir. Ici... Ici donc, bah oui, donc si c'est ça, on va avoir notre première cellule de détention. Je la veux en 21 x 21. C'est bon. Ok, très bien. Donc on a déjà notre première, nos premières cellules de détention. On va ici mettre un couloir d'accès. Et en face de ce couloir d'accès, on va mettre les cuisines. Donc les cuisines. On va commencer par du... Allez, on va faire une grande cuisine. Non, c'est un réfectoire. Celui-là, c'est le réfectoire. Donc on va commencer comme ça et on va faire tout ce qui est centre administratif ici. Donc on va commencer par hop, la vieille technique, vous vous souvenez, pour... Ah, ça marche plus. Ils ont corrigé ça. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, ben non, maintenant, les arbres, il faut les démolir à l'ancienne. D'accord, ok, ça marche plus la technique de je construis un bâtiment, puis je l'annule pour pouvoir détruire un maximum d'arbres. Ça ne fonctionne plus. D'accord. Bon, ben, c'est tout, hein, on va faire avec. Donc, hop, on va aussi détruire cela, quitte à faire. Je détruis ceux qui sont pour le moment aux alentours. Voilà, puis ces deux-là. Ok. Donc ici, ce sera le réfectoire. On va commencer tout de suite. Je disais, c'est à faire les bâtiments administratifs et d'énergie. Donc, on va faire une salle où il y aura quasiment tous les générateurs, et vous en faites pas, je sais un petit peu comment on va s'en sortir. Donc je vais faire une... Ouais, peut-être pas 15 x 15. Non, 11 x 16. Ouais, c'est... Je vais faire du 15 x 15. Donc ça va être la salle qui contient la pompe à eau et les postes d'énergie. Et ici... Alors pour le moment, je vais le faire ici, après ce sera déménagé. Je vais commencer à créer le centre administratif. Pour le moment, on va le faire en 15 x 15 aussi. Et on le modifiera au besoin. Ok, objet. Donc ici, on va avoir... Non, objet, j'ai dit. Donc il y a les lits superposés, mais le peu que j'ai essayé, ça semble pas fonctionner. On les réessayera, mais apparemment ils ne fonctionnent pas. Donc je sais pas si c'est modé ou si c'est de base. Porte du personnel. Ok, donc on va le mettre là. Et on va mettre là. Non, c'est pas ici. Ah, d'accord, ok. Ça a annulé mon... Ah, ça a annulé mon réfectoire. Pourquoi ça a annulé mon réfectoire? Bon. Excusez-moi. Donc j'ai dit du 19 au 19.
Donc une porte là et l'autre porte, elle était là-bas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je... D'accord, je peux pas à cause de l'arbre. Bah, je la mettrai après qu'il l'ait détruit. Allez, hop, c'est parti. On construit déjà ça. Et je vais commencer à déjà à créer les premières pièces. Je vais dézoomer un petit peu. Est-ce qu'il y a du monde sur le live? Toujours pas. Tant pis, tant pis. Zut, l'espace de stockage. J'ai oublié l'espace de stockage. Stockage. Ah oui, vu que c'est une prison pour femmes, j'ai aussi les crèches. Ouais. Ah, hé, l'entrepôt, je vais pas m'emmerder, je vais le foutre là. De toute façon, y aura rien derrière normalement. Si, il y aura quelque chose derrière. Il y aura quelque chose derrière. Pour le moment, l'entrepôt, je vais le foutre. Bah, je vais faire comme d'habitude, je vais le foutre de l'autre côté de la route en attendant. Voilà. Et l'espace de livraison, je vais l'augmenter. Bon, ça se construit. Dans 20 heures, j'ai mes 8 premiers prisonniers. De toute façon, à ce que j'ai compris, maintenant les admissions... Ah non, ok, d'accord. Il faut les gérer quand même. De toute façon, on va tout prendre. C'est quoi ça? Tout est disponible, d'accord. D'accord, c'est gérable. D'accord, c'est gérable comme ça. Ok, donc je reprends la VOD. Donc je vous explique, j'ai fermé le jeu sans le faire exprès, donc j'ai refait à l'identique ou presque la prison, donc vous avez vu au début. Mais voilà, donc vous avez perdu quelques minutes sur le live. Mais de toute façon, il n'y a toujours personne. Donc voilà, j'ai fait une bourde, j'ai fermé le jeu sans le faire exprès. Et je vais me mettre en x10. Pour aller plus vite. Oui, j'ai encore oublié la zone de stockage, évidemment. Donc, la zone de stockage, je viens de la voir. Entrepôt, voilà, c'est ça. Hop, voilà, entrepôt ici, et on va augmenter, comme je disais, la livraison. Ok. Voilà, donc ça avance, ça avance. Je voulais voir... Oui, alors, je voulais engager également. Donc évidemment... J'ai engagé trois gardiens. Et il va me manquer évidemment la salle pour la cuisine, mais ça devrait aller. On va faire comme ça. Je sais comment je vais la faire, la salle pour la cuisine fondation. Attendez, je vais mettre en pause. Hop, pour qu'il puisse... Hop, on va faire ça comme ça. Et... Donc on va faire une cuisine ici. On va faire une belle cuisine. Ouais, allez, comme ça me va. Hop, et on repart en x10. Donc ici, ce sera la cuisine. Ok, donc je résume. Donc ça, c'est le couloir principal qu'on étendra au fur et à mesure. Ici, ce sera la salle d'admission. Ici, ce sera la cellule d'attente, qui sera en fait une cellule temporaire. Vous allez comprendre pourquoi. Ici, voilà. Alors ici,
va déjà poser en service le poste électrique. Et la pompe à eau, normalement je peux la mettre là. Et en condensateur, je vais pour le moment en poser un. Et j'aurai bien... ouais. Et quand tout sera mis en place, peut-être que je créerai la... que j'en mettrai un deuxième. Oups, je voulais pas faire ça. Mais ça fait rien. On va faire ça comme ça. Donc, pièces. On va voir les admissions. Ici. La cellule d'attente. Ici. On va voir... je disais la cantine ici. La cuisine. Et ici, ce sera le... comment... Est-ce qu'il me demande déjà la cour et la douche? Ouais, à mon avis, il me demande la cour et la douche. Donc, on va également créer, si possible, la cour et la douche. Je réfléchis, hein, parce que... Ouais, ok, il me demande la cour, la douche, la cuisine, la cantine. Et deux cuisiniers. Les deux cuisiniers, je peux déjà les engager. Même pas. Si? Non? Peut-être? Si, il me les compte. Va falloir que je... Donc, j'améliore le... Hop. Fondation, béton. C'est naze. Bon, ça fait rien. Ça fait rien parce que j'ai une autre méthode. Enfin, quand on n'a plus de fond, on en trouve toujours. Donc... On va commencer à raser les forêts. Alors, la technique de... Donc vous l'avez vu, la technique où on détruit les bâtiments, enfin comment dire, on construit un bâtiment au-dessus de la forêt et on le détruit, enfin, et on annule sa construction, cette méthode ne marche plus. Voilà, donc je vous le dis. C'est bon, on est bon. Alors, il va me manquer... Alors, il me faut... Donc, le bureau. Le bureau, je l'ai. La table. Je l'ai. Non, pas la cabine téléphonique, je m'en fous. La chaise. Ok. Alors, il me faut des portes de prison. Il me faut un banc. Tiens, attendez, on va faire un truc un petit peu marrant. Enfin, un petit peu marrant. En fait, je compte faire la pire prison du monde. Hein. Clairement, ça va être ça. Donc, bon, ouais. Donc pour le moment, je fais que ça. Et on va commencer déjà... ah oui, alors je peux pas encore tirer l'électricité vraiment tout de suite. Donc... Je
je réfléchis. Donc on a les admissions, on a ça. Alors, il me faut tout de suite. Hop, hop, je vais clôturer ici et je vais mettre. Alors pour le moment il sera pas alimenté, mais il faut absolument que je les mette tout de suite avant de l'oublier. Ce sont les détecteurs de métaux. J'ai pas mis un. Ouais, ok, je suis déjà sec en pognon. Est-ce que je peux tirer au moins un câble qu'on y voit clair? On a déjà 20 câbles en plus de base, je suis bête. Hop, on va le tirer. On va déjà le tirer comme ceci. Ok. Je sais pas pourquoi il m'a annulé toute ma ligne quand. Hop, et il va me manquer jusqu'ici. Et j'ai mes premiers prisonniers qui arrivent. Ok. Je vais tout de suite. Tant pis, hein, je vais utiliser mon argent un peu à ça, mais il faut vraiment pas que je tombe à court d'électricité, ça serait idiot. Voilà, donc on va installer des capacitors en plus. Donc, ok, donc c'est là que je vais voir un objet. Est-ce que le lit superposé compte? Je vais attendre qu'il le pose. S'il me compte 2, c'est que c'est bon. Enfin, 1 ou 2, je sais pas s'il compte réellement pour 1 ou... Bon, ok, c'est bon, j'ai 14 000 en tout cas, ça commence à valoir le coup. Donc on va s'occuper de la cuisine. Donc il me faut des tables de service, ça, vous commencez à connaître le fonctionnement. Ah, génial, j'ai de l'électricité. Donc ça, ce sont les capacités en fait pour les repas. Donc on est bon, on va avoir besoin de tables. Hop, et des bancs. Ils sont cool les bancs avec ce mode là. C'est un mode que j'ai trouvé pour le... Comment dire? Pour les graphismes. Et honnêtement, il est vraiment pas mal. Ok. Donc au niveau... alors, il me faut également... Bah, j'en mets qu'une pour le moment, mais voilà. Une poubelle là. Il va me falloir également une poubelle en cuisine. Alors... Ça, on va avoir donc pour le moment j'en mets qu'un de chaque, mais gazinière, frigo, évier. Le mec qui ramène le frigo, la gazinière comme ça à bout de bras. Donc on est d'accord, ça ne compte pas. Ça ne compte pas comme étant... alors que si je mets... Alors, sauf s'ils ont changé les règles. Hein.
Mais si je mets un lit, normalement je vais avoir une place qui va... Ah non, d'accord, ok. Donc pour cette version-là, ils ont corrigé. Parce que j'ai vu en version 1, que si on mettait un lit dans une cellule d'attente, ça comptait quand même comme une place. Eh ben non, ça a été corrigé. Ça a été corrigé, donc ben on ne peut pas. Donc on ne peut pas héberger à long terme les prisonniers sur des cellules d'attente. Et ben c'est pas grave, on va le faire quand même. On va le faire quand même parce qu'on gagne énormément de temps en fait. Enfin on gagne du temps, on gagne de la surface, on gagne en fait pas mal de choses. Alors. Ou alors c'était un truc qu'il fallait débloquer. C'est un truc qui. C'est une possibilité qu'il faut développer, débloquer avec le. Avec l'avocat. J'ai oublié les tuyaux. Hop, on va. Pareil, on va utiliser le même tracé. Hop. Ça. Ici, c'est juste parce que je veux un gros tuyau pour alimenter ça. Voilà. Ok. Donc pour le moment, tout se passe bien. Pourquoi j'ai... C'est pas ça que je voulais. Je voulais... À chaque fois, je me plante. Voilà. Alors, tout de suite, je vais sauvegarder. Sauvegarder prison. Voilà. Non, tu repasses sans speed x10. Et pour le moment, on n'est pas trop trop mal. Donc... La cour. Alors, on va faire la cour et la douche. On va commencer par la douche d'ailleurs. Plutôt. Donc, fondation, béton. Non, pas ici. On annule. x 15. Allez, 15 x 15. Et pareil pour... La cour. Là, on va faire ça. Ah, j'ai pas assez de fond. Non, fond insuffisant. Ennuyeux. Est-ce qu'il me reste... C'est plus bas. Et j'ai plus de bûches à vendre, donc... Faut d'abord que je démolisse des arbres. Sinon, j'ai une autre solution rapidement. Ouais, enfin non, ça va prendre du temps aussi, remarque. Donc non. Ah oui, puis j'ai des prisonniers qui arrivent, donc ça va être bon, ça va être bon normalement. D'électricité. Et on va construire rapidement nos Alors, je vais d'abord en faire les plans. Planification. Mur normalement non, alors justement pas comme ça. Ouais, c'est vraiment petit en fait.
Il me semble que c'est ça, hein, la pièce en question. Toc, toc. Chez vous. Bureau. Bureau, bureau. C'est pas par ordre alphabétique. Si, là. Ah non, c'est pas par ordre alphabétique. Mais... du 4x4. Ouais, donc c'est ça. Donc je mets de la brique pour l'administratif et du comment et de du béton pour tout ce qui est pour tous les comment pour pour les prisonniers. Voilà, j'y arrive. Voilà. Ok, où en est mon entrepôt? D'accord, j'ai du bois en bas. On va le vendre rapidement. Attendez, j'ai un problème. Hop. Non, c'est bon. Parce que j'avais plus XSplit sous les yeux pour voir si j'avais des drops sur le live. Donc, voilà. Bon, pour le moment, ça avance un peu. Ok, j'ai 10 000. J'ai 10 000 en... Donc, normalement, fondation. Béton. Hop. Et là, ben, pas le choix, je vais devoir le faire comme ça. Et comme ça. Ok, donc maintenant, non, objet, non, on va commencer par déclarer les pièces comme ça. Cellule familiale? D'accord. Ok, ah oui, ça... oula, d'accord. On n'a plus de courant. On n'a plus de courant, donc bon, je m'occupe juste rapidement de la douche. Non. C'est quoi ce délire? Pourquoi j'ai plus de... Je sais pas, j'ai l'impression que ça s'assombrit d'un coup et que ça revient. C'est bizarre. Ça s'assombrit puis ça revient. Ou alors c'est quand je sélectionne quelque chose? D'accord, ok, non, en fait, d'accord, ça met en surbrillance, en fait, quand je passe au-dessus de la cuisine, ça met la cuisine en surbrillance, par exemple. D'accord, non, bah, c'est rien, là. Et la cour, c'est ce que je voulais, la cour. Voilà, donc les douches, il faut des pommes de douche, logique. Faire comme ça. Oh zut, je pars pas droit. J'ai ce message là qui m'embête. Voilà, on va faire ça comme ça.
Et... Sorti... Non, pas comme ça. Ouais, c'est bon. En fait, je voudrais c'est voilà, le tuyau genre comme ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Et là, hop. Remarque, je suis bête. J'ai pas besoin de ça. En fait, c'est moi qui suis idiot. Je sais par où je vais faire passer mon tuyau. Je vais faire passer comme ça et c'est marre. Ok, et on va commencer un petit peu à s'occuper un peu de la sécurité. Je vais juste ralentir un tout petit peu. Je vais me mettre en position en vitesse normale. Pour faire un petit peu le bilan. Donc j'ai 24 prisonniers, 21 000 en pognon. Ouais, pour le moment la douche ne fonctionne toujours pas. La cour, il n'y a besoin de rien normalement. Non, il n'y a besoin de rien. Alors, on va engager le directeur, enfin, notre directrice, résultat. Hop, voilà. Comme ça, on peut. Hop, administration. Oh, elle est très belle l'interface, comme ça. Non, c'est pas la finance que je voulais. Si, c'est ça, c'est un financier. C'est un comptable qu'il me faut, donc c'est ça. Sécurité, entretien. La santé et le juridique, ça, pour la micro-gestion, le règlement intérieur pour mettre des sanctions. Pour le moment, je déverrouille que ça, juste histoire le temps de parce que j'ai pas de l'argent à l'infini, donc ouh. Je sais pas ce qui s'est passé sous les douches, mais il s'est passé des choses. Bon, bah les filles, qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, et avec ça, j'ai pas de policier femme qui puisse surveiller la douche, quoi. Je suis sûr. Bah si, ça m'a l'air d'être une femme, ça. Donc, vous pourrez pas surveiller les prisonnières sous la douche? Elles sont en prison, sont pas en club de vacances là. Bon. J'en suis où de tout ça? Bah, je l'ai eu en fait, mon centre de détention de base. Donc je peux reprendre. Je peux reprendre une subvention. Non, c'est pas là. Subvention. J'ai envie de... Ouais, on va créer le... On va créer le centre médical. Donc, et j'ai envie de le créer. Je sais très bien où je vais le créer. Alors, attendez, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire
Visiblement, je peux. Et donc ici, je vais mettre mon hop. Non, alors, attendez, juste. On va le faire dépasser d'un. Et donc là, je mets ma si ici que je vais mettre. Mon infirmerie. Simplement. Donc je crée un couloir ici. Hop, je vais démolir ce mur et y mettre tout de suite une porte. Une porte du personnel. Quoique non, je vais mettre une porte de prison et ils devront obligatoirement... y aller par oui, alors je vais me remettre en x10. Attendez une seconde. Je laisse le... Un tuyau qui n'a pas été posé là. Bon, ok. Apparemment, j'ai mon... Ouais, alors je m'en doutais. J'ai mon mur en béton ici qui a sauté. Donc je vais le faire reconstruire. Ah. Ici, allez savoir pourquoi j'ai l'impression que la végétation est toujours au-dessus du béton. C'est bizarre. C'est très étrange. Attendez, il faut que je relance ma page du live parce que apparemment ça a bugué. Donc il est possible qu'il y ait quelques drops là, j'ai... Attendez, c'est chelou. Ouais, je suis encore en direct. Purée, mais... Ok, c'est revenu. Donc, excusez-moi, petit bug. Donc, pour la VOD, désolé pour le bug. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai frappe scalaché. J'ai la vue sur XSplit qui a sauté. J'ai tout qui a sauté. Sans raison. Donc, j'ai sauvegardé, j'ai relancé le jeu. Et ça remarche. Donc voilà. Donc, petit souci. Toujours un peu embêtant, et puis avec le live en plus c'est ça qui est un petit peu embêtant, c'est que d'habitude je fais des coupures et puis ben rien ne se voit quoi. Mais là quand ça plante, eh ben ça plante. Hop et je peux engager mon comptable. Bing, allez, 5 000 dollars de plus. Mon infirmerie, c'était ça que je voulais créer. Donc mon infirmerie. Infirmerie, s'il vous plaît. Je suis aveugle ou comment ça se passe? J'ai pas l'infirmerie. Là.
Prérequisant. Ah, d'accord. C'est parce que j'ai pas encore. D'accord. C'est parce que j'ai pas encore découvert la santé dans mes recherches. C'est ça? D'accord. Ok, voilà l'explication. Voilà l'explication. Donc tout va bien. Tout va bien. Alors, on va juste améliorer un peu la sécurité de notre prison parce que là, c'est moi qui voulais faire une maison un petit, enfin, ouais, une maison de correction un peu. Pour le moment, c'est un peu open bar partout. Là. Ici, ok, et ici. Ok. Et ici, évidemment, il me faut donc normalement une porte du personnel, mais je voudrais pas non plus que qu'il y ait des mecs qui débarquent en cuisine et qui foutent le sbeul. Donc voilà. Alors, on a 9000, prochaine amélioration. Donc moi, je vous dis, on attend donc que la santé soit découverte. D'accord, puis vu qu'il fait dans l'ordre. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? D'accord, le juridique maintenant. Alors l'expansion, c'est ce qu'il va me falloir tout de suite. Les subventions supplémentaires. Les emprunts bancaires, non. Non, le dégrèvement d'impôts, je peux pas. Alors il me faut les déploiements. Oui, il me faut un chef, d'accord. Les patrouilles. L'armurerie. Extérieur, entretien intérieur. Je vois d'abord en priorité hein, les priorités. Le travail carcéral, pas forcément enfin, c'est pas forcément intéressant pour la prison. Les accès à distance, je sais pas si ça a été corrigé pour cette version. J'espère que ça l'a été. On va peut-être pouvoir le faire. Emprunt bancaire, ça m'ennuie un peu. Allez, on va créer deux bureaux de plus. Là, ça vient du 4x4 pièce bureau. Alors il nous faut les chaises. Casier. C'est 4x4, 4x4, on est d'accord. Ok, et ensuite, on peut donc engager le chef et le contremaître. Donc le bureau arrive. Voilà. Comme ça,
Ça progresse, ça progresse, ça progresse. Ok, j'ai la drogue qui a été découverte. Ok, c'est dans la salle d'admission. Après, normalement, s'il y a quelque chose... Alors, je vais engager des gardiens supplémentaires parce que ça commence à être un peu la dèche. En plus, j'ai le budget pour... Je sais combien, j'en ai 30. Allez, on va en engager. D'accord, là c'est les fonds, mais les fonds normaux, j'ai envie de dire. Ok, donc... On va commencer à déjà s'occuper un peu mieux de nos prisonniers. En créant... Ah oui, alors par contre, enfin, il va me falloir un peu plus de budget pour ça, mais hop, je vais dézoomer. Et... Non. Voilà, on va commencer vraiment à déforester un peu. Un max de forêt. Ok. Hop. Ok, ici il y en a encore. Voilà, allez. Je veux qu'il y ait autant d'arbres qu'en Amazonie maintenant. Oui, d'accord, c'était méchant ça. Bon. Je vais encore avoir les écolos au dos, sur le dos, je veux dire. Je cherche un truc. Ouais, c'est bon. Ok, je vérifie, tout fonctionne. Ok, tout fonctionne. Ok, donc je disais 4000. Est-ce que 4000 j'ai assez? Malheureusement, je vais pas avoir assez d'argent pour ça. Cependant, j'ai normalement suffisamment... maintenant, je peux créer mon infirmerie normalement. Non, toujours pas? J'en suis où? Ok, 43 minutes, je suis pourtant en high speed.